Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Amis téléspectateurs, bonjour. Merci parce que vous branchez télévision nationale d'Haïti. Actuellement, nous en direct depuis Mupana pour permettre de suivre la cérémonie dévoilement tableau qui baptisait les enfants du roi Henri-Christophe dans l'occasion anniversaire naissance impériale en date 6 octobre. N'a pas rappelé, Henri-Christophe, c'est une papa nation qui était dans notre pays à partir de 1806, d'abord comme président intérimaire, ensuite président autoproclamé Grenoble, et puis finalement roi républicain en 1811 jusqu'à la mort en octobre 1820. C'était la deuxième dynastie paysanne après l'empereur Jacques Ier. Je dis à nous pour assister, je me dis là, dans le cadre d'une cérémonie commémorative déroulant un tableau sous famille qui baptisait les enfants du roi Henri Ier. Pour la nation, faite en présence première dame républicaine, Mme Martine Moïse, et ministre Kilti à communication, M. Pradel Nkes, et avec plusieurs cadres dans le secteur et dans la fonction publique, là, nous avons gagné la programmation. Un propos bienvenu de directeur général là qui c'est monsieur Jean-Claude Ledonnier. On va bien poursuivre le propos du ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel Nkes, à propos de la Première Dame, qui est présidente d'honneur du Mupana, Mme Martine Moïse, et puis nous allons assister à plus fort événement ça, qui est le dévoilement du tableau, bien entendu, qui baptisait les enfants du roi Henri Ier. Et puis on a bien un spectacle qui a fait dans le jardin Mupana, qui a gagné la danse du roi, qui tient un extrait d'un spectacle Le Jubilé de la Reine, que Héron Josué mettait en scène. Donc, vous pouvez permettre de suivre la cérémonie, ça, rebranche la télévision nationale d'Haïti. Monsieur le DG du Mupana, monsieur le DG du Bureau national de technologie, monsieur le DG du ministère de la Culture, mesdames, messieurs les DG des organismes autonomes du ministère de la Culture et de la Communication, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames, messieurs, cadres et fonctionnaires de l'État, mesdames, messieurs, représentants des organisations internationales, membres du secteur culturel, membres du secteur universitaire, membres de la presse, chers invités, mesdames, messieurs, nous sommes ici réunis aujourd'hui, 6 octobre 2020, pour une cérémonie marquante. C'est le dévoilement du tableau présentant les enfants du roi Henri Christophe. Cette peinture dont on ne connaît ni l'auteur ni la date de réalisation présente 3 des enfants du roi Henri Christophe. Plusieurs points importants entourent cet événement. Vous allez me permettre de souligner, d'en souligner quelques-uns. C'est d'abord un tableau rapatrié. C'est tout un symbole de l'épopée christophienne. Mais c'est aussi un signe manifeste de la mission du Mupana qui est de perpétuer et diffuser le souvenir des pères de la patrie. Et c'est en ce sens que j'invite le DG du Mupana, M. Jean-Claude Ledonnier, à nous rejoindre pour ses propos de bienvenue. Monsieur le DG. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, dans notre histoire, la commémoration de certaines dates porte encore, malgré la malveillance du temps, le beau teint en faisant briller de mille
éclaire les perspectives d'un avenir aussi percutant que le passé. Le 6 octobre 1767, dans l'ancienne possession française de l'île de la Grenade, naissait un homme au destin exceptionnel, Henri Christophe. 253 ans plus tard, vous comprendrez aisément que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens ce matin en vous accueillant dans l'enceinte sacrée du musée du Panthéon national haïtien pour accueillir dans une ferveur patriotique le retour au pays natal de sa descendance royale sous la forme d'une représentation picturale. Fraîchement nommé à la direction de cette prestigieuse institution, j'ai l'honneur et l'ultime privilège de recevoir la première dame de la République d'Haïti, présidente du MIPANA, pour dévoiler une toile présentant le portrait des enfants du roi bâtisseur Henri Christophe. Ce retour au pays de cette toile, tête à l'huile sur canevas, des enfants du grand roi, est un hommage filial et patriotique de reconnaissance du gouvernement de la République et du peuple haïtien tout entier à la mémoire de ce monarque. Un peu d'histoire. Le 15 juillet 1793, le capitaine d'infanterie Henri Christophe épousait Marie-Louise Malgrin, roi David. De cette union naquit 4 enfants. François-Henri Christophe, qui naît un an après le mariage de ses parents, chétif et ne jouissant pas d'une bonne santé, il meurt le 7 octobre 1805, un an après la proclamation de notre indépendance. Il est suivi par 2 filles, Françoise Amétis, qui naît en 1798, et Anne Athénaïse, qui prend naissance en 1800. 4 ans plus tard, le 3 mars 1804, naissait le dernier des enfants, le dernier enfant du couple, Jacques-Victor-Henri Christophe. Quand en 1811, Christophe accédait à la dignité de roi, la famille royale était par acte constitutionnel et par édit formée du roi, de la reine, de 2 princesses et d'un prince royal, Jacques-Victor-Henri Christophe. Est nommé prince royal pour établir, pour édit du 26 avril 1811. Le roi de Jure, suite au suicide de son père, est assassiné au Cap Henri 10 jours plus tard, le 18 octobre 1820. Quant à la reine et aux 2 princesses, elles connurent les affres de l'exil et finissent tristement leur jour à Pise en Italie. Les portraits en pied du roi Henri Christophe et du prince Jacques Victor sont connus pour avoir fait l'objet de nombreuses expositions. Quant à la reine et aux 2 princesses, il n'existe que de très vagues descriptions de leur anatomie et de leur physionomie. La découverte de cette œuvre vient à point nommé pour grandir la galerie de nos figures historiques. C'est donc avec véhémence que nous saluons l'initiative du président Jovenel Moïse qui autorisa notre représentation diplomatique à Washington de faire l'acquisition de cette toile tout en s'assurant que sans délai, elle viendrait prendre place en Haïti au musée, au MIPANA, de l'alvéole réservée aux 9 ans, 6 mois et 10 jours que dura la deuxième monarchie constitutionnelle d'Haïti. En ma qualité de directeur général du MIPANA, donc le gardien de la mémoire, j'accuse publiquement réception de cette toile qui symbolise le retour au pays des enfants du roi Henri. Je prends part devant vous la responsabilité d'en assurer la conservation en l'intégrant dans l'inventaire de la collection historique. Merci. Merci beaucoup, DG. Nous vivons, vous le savez tous,
Nous sommes tous frappés par cette pandémie, la COVID-19. C'est une période très difficile. Cette pandémie, surprise, nous fait comprendre la fragilité de l'homme, nous fait comprendre la fragilité du développement. Le secteur culturel a été durement touché par cette maladie. Et la culture, de par sa transversalité, si elle est bien cernée, peut contribuer directement au développement d'un pays. La culture est l'une des priorités de l'administration Moïse et du gouvernement Joute. Et ceci a été clairement défini dans la feuille de route qui a été confiée au ministre de la Culture et de la Communication, M. Padel Arikes. Merci Paul Villefranche, Excellence Madame la Première Dame, et Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, chers collègues, Monsieur l'ambassadeur, et tout le monde du corps diplomatique ici présent, messieurs les directeurs généraux, distingués invités, membres de la presse, et permettez, madame, que je saisisse cette occasion suite au décès le week-end écoulé du père du président de la République d'Haïti, Monsieur Étienne Moïse, pour vous faire, au nom du ministère de la Culture et de la Communication, au nom de tout le secteur culturel public, toutes mes sympathies à vous, madame, ici présente, et présente d'ailleurs en dépit de cette énorme perte. Merci d'être là. Transmettez aussi, je vous en souhaite gré, nos sympathies au chef de l'État, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et à toute la famille présidentielle. Nous sommes ici présents aujourd'hui au musée du Panthéon National, si riche en histoire, pour une cérémonie exceptionnelle, à plus d'un titre. Tout d'abord parce que c'est un 6 octobre, comme aujourd'hui, qu'a pris naissance celui qui allait entrer dans l'histoire d'Haïti comme étant le roi Henri Ier. Nous célébrons donc ce matin un événement majeur, la naissance de l'un des pères fondateurs de notre nation, le roi Henri Christophe. Il sera aussi le monarque du Nord. Il sera enfin un roi bâtisseur de civilisation. En effet, il est important de vous rappeler, de nous rappeler, que notre présent et notre futur ont les droits à notre passé, à nos bâtisseurs, aux hommes et aux femmes qui ont contribué à édifier notre pays et qui nous ont transmis les bonnes valeurs. Ils ont aussi enrichi notre culture et notre patrimoine pour toutes les générations. Cette cérémonie va également permettre de laisser une trace pour les générations futures à travers le dévoilement du tableau « Les enfants du roi Christophe ». Et c'est dans cette optique que le ministère de la Culture et de la Communication s'est associé au bureau de la Première Dame, Madame Martine Moïse, pour commémorer la naissance de ce souverain illustre auquel d'ailleurs le poète Aimé Césaire a bien rendu un hommage, Henri Christophe. Là, je pense à la tragédie du roi Christophe. Il s'agit pour le ministère de la Culture et de la Communication et pour la Direction Générale du Musée du Panthéon National de vous dévoiler, de vous présenter le fabuleux portrait de trois des enfants du roi nés de son mariage avec Marie-Louise Croix-David. Un portrait pour mettre un visage sur la descendance du roi Henri Ier, l'un des pères de la patrie, comme je le disais tantôt, un tableau qui nous invite à découvrir les enfants du roi. Une œuvre qui nous permet de mieux connaître la vie du roi, mais aussi pour nous inciter à regarder notre passé, nos origines, et à nous souvenir qu'un 6 octobre est né un être exceptionnel. Je souhaiterais remercier l'ambassade d'Haïti à Washington, qui nous a fait don de ce patrimoine d'importance pour notre histoire. J'étends mes remerciements à tous ceux, à toutes celles qui ont rendu possible l'événement d'aujourd'hui. Un grand remerciement à vous toutes, à vous tous ici présents, pour une occasion unique de retrouvailles avec notre histoire et avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, comme vous l'avez si bien souligné, nous fêtons l'anniversaire du roi Henri Christophe.
Et c'est un événement aussi important pour nous autres, le dévoilement du tableau présentant les enfants du roi Henri-Christophe. Et pour marquer cet événement, la première dame de la République d'Haïti, Mme Martine Moïse, a bien voulu être là comme présidente d'honneur du Mubana. Et c'est avec honneur et plaisir que nous invitons la première dame pour ses propos de circonstance. Madame la première dame. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le directeur général du MIPANA, mesdames, messieurs les ambassadeurs accrédités en Haïti, mesdames, messieurs membres des organisations internationales, mesdames, messieurs les professionnels de l'art, membres de la presse, distingués invités, je me serai vous exprimer ce matin les sentiments qui m'animent en tant que président d'honneur du MIPANA et qui incombe le privilège d'accueillir en votre présence le retour symbolique au bercail des trois enfants nés de l'union du couple Henri-Christophe et de Marie-Louise malgré Coy David. Tout d'abord, je voudrais souligner le caractère exceptionnel de cette cérémonie qui marque également le 253e anniversaire de naissance du roi. C'est l'occasion pour nous de lui dire de tout cœur bonne fête. Mesdames et messieurs, même si très peu d'intellectuels et d'historiens se sont intéressés à l'histoire des premières familles ainsi qu'au devenir des descendants de ceux et celles qui ont eu le privilège de conduire un certain temps les destinées de notre nation, nous pouvons aujourd'hui nous en enorgueillir de l'intervention combien constructive du MIPANA qui nous donne un éclairage sur la famille royale. Ce rappel historique sur la descendance de l'illustre monarque confirme que la décision du président de la République, M. Jovenel Moïse, de rapatrier cette coupe toile restera pour les générations futures un geste à haute portée et un grand pas dans la consolidation de notre mémoire de peuple. En effet, Françoise Amétis, fille aînée du couple, et sa sœur cadette, Anne Athénaïs, étaient parties en exil pour l'Europe avec leur mère après le décès de leur père et de l'assassinat de leur petit frère, Jacques-Victor Henri-Christophe, en octobre 1820. Ce dernier, qui était l'héritier du trône d'Haïti, fut prince royal de 1811 à 1820. Il mourut lors de la révolution nordiste de 1820, après avoir brièvement succédé à son père sous le nom de Henri II. Détenu pendant des années par Alexander Hart Gallery, cette peinture à l'huile sur canevas a été achetée par le gouvernement haïtien en 2018 lors d'une vente aux enchères à New York par l'intermédiaire de l'ambassade d'Haïti à Washington. Cette toile d'époque techniquement authentifiée pour appartenir aux idéaux artistiques du 19e siècle fait aujourd'hui son entrée officielle dans l'inventaire du patrimoine culturel et historique du MIPANA. Avec l'arrivée de ce tableau, une nouvelle page de notre histoire est tournée. Nous venons de franchir un grand pas vers le processus de la reconstruction de notre mémoire en retraçant une page de notre histoire à travers les images des enfants du roi Henri-Christophe, l'un des précurseurs de l'indépendance qui avait combattu pour faire de nous le premier peuple noir indépendant. Animé de lumière de grandeur, Henri-Christophe, le premier roi qui ait connu notre pays, nous a doté durant son règne de réalisations qui continue à travers le temps de faire la fierté de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Je veux parler bien sûr de la Stade de la Ferrière, le Palais Sans Souci, le complexe des Ramiers, qui sont les principaux sites du parc historique national classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. En ce jour,
l'exposition au MUPANA de cette œuvre qui saisit un pan de notre histoire, un pan de notre mémoire, rallie les différentes générations de notre société afin de leur permettre de compléter leur connaissance historique de l'époque de la monarchie constitutionnelle dans notre pays. Ceci permettra aux prochains visiteurs du MUPANA de respirer les faits et les événements par le biais de l'art. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer la mémoire de l'artiste qui a su nous léguer, grâce à son talent et à son savoir-faire, l'une des rares représentations de la descendance directe de cette auguste famille, créée dans le noir par le roi Henri Christophe et son épouse. J'adresse mes sincères remerciements à l'ambassade d'Haïti à Washington, au ministère de la Culture, pour avoir engagé les nombreuses démarches nous ayant permis d'obtenir cette pièce unique. Je comprends combien votre travail a été impeccable pour arriver à la localisation, l'identification et finalement le transport sécurisé jusqu'au MUPANA. Je tiens également à remercier de façon particulière chacun de vous ici présents pour avoir accordé votre temps pour assister à la découverte de cette œuvre intitulée « Les enfants du roi Henri Christophe ». Symboliquement, les enfants d'Henri Christophe reviennent chez eux en tant que présidente d'honneur du MUPANA, mais également en tant que fille du Grand Nord. Je vous invite à découvrir les enfants du roi Henri Christophe. Ensemble, empressons-nous de dévoiler le tableau pour apprécier les nouveaux visages retrouvés d'une partie de notre histoire. François Amétis, Anne Athénaïs et Jacques-Victor Henri Christophe, pour mon organe, le peuple haïtien, votre peuple, vous souhaite patriotiquement bienvenue et bon retour sur votre terre natale. Merci. Bonjour, Frédéric, gouvernement du tableau représentant les enfants à Henri Christophe. Cette toile présente trois des enfants du roi Henri Christophe, du roi Henri Ier. Elle a été acquise en 2018 par l'État haïtien lors du Salon d'art de New York en prévision de la remémoration du bicentenaire de la mort du roi Henri Christophe. Une analyse d'experts à la lumière ultraviolette a révélé que l'œuvre provient d'une collection privée de Scotland. Elle avait subi des dommages considérables, dû peut-être aux effets du temps ou encore d'autres actes de vandalisme qui ont suivi la chute du royaume. La restauration a masqué certains détails et modifié d'autres. Leçon le meilleur d'un des pères de la patrie, Henri Ier. Les enfants du roi Henri Christophe. Donc, on est dans le programme. Nous allons vous inviter à passer dans les jardins du MUPANA pour un spectacle. La danse du roi. C'est un extrait du spectacle Le Jubilé de la Reine de Hérold Josué. Thank you.
Amis téléspectateurs, nous arrivons dans la fin activité commémorative ça qui t'a fait dans l'occasion anniversaire roi Henri Ier. Côté que nous avons assisté jeudi à dévoilement tableau des enfants du roi Henri Christophe qui t'a présenté le portrait de Françoise Amestisse Christophe, Athénaïse Christophe et Jacques Victor Henri. Donc dans l'occasion ça, ministère qu'il dit à communication M. Pradel Henri Kest était présent, Madame Martine Moïse, première dame nan, qui c'est présidente d'honneur et Moupana est présent dans la cérémonie ça accompagné ensemble avec un paquet haut dignitaire avec cadre fonction publique là. Cérémonie ça ou t'as regardé sur télévision nationale d'Haïti, branché télévision nationale d'Haïti pour suivre toute reste programmation pour journée. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es attendre dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.